Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes biscuits que je vais faire pour Noël pour donner en cadeau. Donc, voici les ingrédients. On va battre le beurre, la cassonade et le sucre. Une fois que votre mélange est bien lisse, vous allez rajouter un œuf à la fois. Vous ajoutez une cuillère à thé de vanille, trois cuillères à table de lait. On y va à peu près. 1, 2, 3. Et vous allez continuer. Vous allez réserver ce bol. Vous allez mélanger les amandes avec la farine. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Et voilà, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Vous mélangez comme ça. Comme ça, ça devrait être bon. Et vous allez reprendre votre bol du premier. Vous allez ajouter les ingrédients secs aux ingrédients mouillés. Et vous allez mélanger. Et let's go pour le batteur! À l'aide d'une cuillère à bois, vous allez rajouter vos brisures de chocolat. On préchauffe le four à 350. Pendant ce temps, vous allez aussi préparer vos plaques. Moi, j'en ai fait deux plaques tapissées de papier parchemin. Et on va déposer la pâte à biscuits environ une cuillère à thé par biscuit. Et voilà. Et vous allez placer une plaque sur le dessus du four et l'autre en dessous. Vous allez les faire cuire de 8 à 10 minutes. Et vu qu'il y en a une au-dessus et une en bas, vous allez interchanger à moitié temps et jusqu'à temps qu'environ il soit juste assez cuit et juste un petit peu bronzé, là ça va être parfait. Je vais vous montrer le résultat final. Et voilà le résultat. Il y en a qui ont collé, mais je vais juste toutes les couper entre. On les laisse refroidir et moi, après ça, je vais les mettre dans une belle boîte. Comme ça.